Bah, salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc on se retrouve pour un petit live donc sur Euclide RP avec le commandant des chats. Alors, pom pom pom. Bon, pour l'instant, ça va être calme, hein. Thank you.
va faire quelques tests. Salut David, comment ça va? Ça va ou quoi? Bah écoute, la forme, hein, tranquille. Ok. En fait, elles sont toutes au même prix, les voitures. Gary Franck, yo, salut, c'est EuclideRP, c'est un nouveau serveur qui vient d'ouvrir. Donc il est encore tout neuf, en cours de développement. Normalement, est-ce que ma petite commande elle est prête ou pas? Je regarde parce que je sais pas la commande en ce moment, je sais plus ce que c'est. Ah, je vais te mettre le lien, ça sera mieux. Ça sera plus facile. Attends. Hop. Hop, il faut juste que j'aille la chercher. Donc c'est Euclide, donc c'est un petit serveur qui vient d'ouvrir. Qui est assez bien fait, qui est en cours de développement.
Donc voilà, il est whitelist. Alors, désolé, je cherche quelque chose. Voilà, non, c'est pas celui-là. Hop, est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Voilà. Hop, hop, copier. Voilà. Je te mets le lien si jamais tu veux rejoindre le Discord. Voilà. Donc, en fait, c'est un serveur FR, donc FR QC. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a pas grand chose. Hein, on met en place le truc tout petit à petit, puis bah voilà quoi. Là c'est vraiment le début du serveur. Hein, donc on va le faire évoluer, il va évoluer et tout. Donc voilà, donc si tu as envie de rejoindre, bon après il n'y a pas énormément de monde encore dessus. Hein, il est vraiment tout neuf. Hein. Mais y a du bon taf dessus. Et on va essayer d'acheter un. Non, je vais pas acheter. Non. Alors, oui. Bon, il m'a fait bugger. D'accord. Ok. Hop là, on s'en fout. Bon, j'ai bugué. Super. Tac, tac, tac. Hop là. On va essayer ça. Bon, avant de se faire kick, on va quitter le jeu, on va revenir. C'est des choses qui arrivent, j'aurais pas dû aller dans mon inventaire pendant que j'étais dessus. Ouais, je me rappelle David. Bon, qu'est-ce qui se passe? Petit problème 5M. Petit bug 5M. Bon, c'est pas grave, je vais faire autre chose. Ah putain, ça me casse les pieds, tout ça. Serveur, voilà. Yop, yop. Alors, hop. Bon, je vais laisser quand même ça ouvert. On va faire comme ça. On va se faire le shit. Yo, 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 Jérôme. On commence calme. Hein. Tout.
Ouais, bah ouais. Moi, j'ai fait bugger le truc. J'ai ouvert mon inventaire pendant que j'étais sur le vélo au concess et ça a pas voulu. Ben, c'est long, hein. Voilà. Alors, c'est le test. On va voir si la voiture dépop. Alors, bah oui, la voiture a des pop, forcément. Forcément, la voiture a des pop. Alors. Bon, non, on voit plus les voitures, mais là on voit les trucs, mais on voit plus mon perso. Alors, je vais passer vite. Il est où ce petit vélo là? Hop, 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 hop. Ah, pas mal celle-là. Bim, hop, j'ai pris un coup de casque. Alors, est-ce qu'on peut acheter? Non, évidemment, il n'est pas passé en. Hop là. Ouais, bah ouais. Bon, bah allez, c'est parti. Une, deux, on y va, c'est parti. Allez, hop. Regardez pas ce que je vais faire, c'est pas beau, fermez les yeux. Alors vous avez rien vu, fermez les yeux pendant un instant. Merci beaucoup. Merci. Réquisition du véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Voilà. Ah, elle est bien jolie cette voiture, hein. Oh, c'est quoi ça? Non. Vite. Je suis désolé. Vite. Il y a urgence. La radio. Allez, je vous remets le son, les gars. Désolé. Oh putain. Hop là. Voilà. Oh, putain.
Franchement, je m'attendais pas à ça que la radio elle gueule d'un coup. Désolé. Hop là. Bah attends, j'arrive. Je vais au commissariat et on va pouvoir lancer le reboot. Je suis pas obligé de voler notre voiture. Enfin, réquisitionner un autre véhicule. Ah, mais je peux verrouiller un véhicule, quoi. Laissez-moi me cacher et tu pourras reboot. Vas-y, le reboot. Voilà. Bon, en tout cas, merci à Raph Matin et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à tous. Ça y est, il a fait le reboot. Par contre, je tiens à préciser, vous avez vu les gars, j'ai crocheté le véhicule, j'ai obtenu les clés du véhicule. Fait ça. Désolé, petite erreur de ma part. Hop là. Allez, hop. Voilà. Tac, tac, tac. On reprend les bases. Bon, par contre, on peut toujours pas acheter les voitures pour l'instant. Alors, F8, tac, bim, allez, voilà. Tac, tac. Alors ça, va falloir que je vérifie aussi, parce que si tu crochettes une voiture que tu obtiens les clés, faut voir que la voiture n'appartienne pas à la personne qui a crocheté quoi. Mais sinon ça va être à votre petite ASMR Coca.
Et reprenons les affaires. Donc, c'était le petit moment ASMR de Nightmare FR 95. Oh putain. Hop. Accessoires. Hop là, voilà, je suis tout beau comme ça. Hop putain, je suis tout beau. Alors, voyons si mon petit véhicule est là. Il est sorti. Ok. Il est sorti. Et alors, il est dans la fourrière, je suppose. Elle se trouve où la fourrière? Mais comment Bonjour, t'entends? Comment bonjour. t'entends? Ça va? Ouais, est-ce que tu m'entends? Non, tu m'entends pas. Attends 2 secondes, je vais faire une manipulation Oui, de cordes je vocales. t'entends. Ah, tu m'entends? Ok. Oui, je t'entends, je t'entends. Ah, très bien, très bien. Comment vas-tu? Ouais, toi, mon petit tonton préféré. Bah écoute, je vais très bien. Donc, je sais pas où est parti mon petit 4x4 de fonction. Je pense qu'il doit être à la fourrière parce que j'ai eu mal au crâne. Il a disparu et il n'est pas dans mon garage. Pas comment aller là-bas quoi. Attends, faut que je regarde où est la fourrière déjà. Où c'est qu'elle est cette fourrière? Ah, je la trouve pas. Bon, mon petit, je ne trouve pas la fourrière, je vois pas où c'est qu'elle est. À la sortir, c'est ça. Bah en fait, ouais, en fait, elle est marquée déjà sortie. Donc je suppose qu'elle est partie à la fourrière, mais je sais pas où est la fourrière. Petit Alan, comment allez-vous? Bah c'est bien. Bah. Ouais, je pas Toto. Hein. Tu m'entends toi? Tu m'entends ou Oui, je pas? t'entends, Toto. Ok, c'est parce que je voyais plus. Donc il y a le petit Alan, il nous entend pas. Salut! Ah si, il est là. Ouais, salut. Comment ça va? T'entends? Faudrait que tu... Que je quoi? Ouais, faudrait que tu testes une fois qu'un autre véhicule. Comment ça tester? Tu veux que je teste quoi? Je peux sortir mes véhicules. Ouais, enfin oui, sort un véhicule. Ok.
Non, le petit, il peut pas sortir de véhicule. Oula. Ouais, mon petit Alan. Il va falloir que je te donne de l'argent pour que t'achètes ta voiture de patrouille. Ok. Attends, je vais sortir mon véhicule et on va faire ça. J'ai appris qu'on avait un véhicule chacun. Maintenant, ça va être à mon avis. Ouais, faut que je vais voir 2 secondes ce que Lucas il veut et puis après je vais aller chercher de l'argent, te le donner et tu vas acheter la voiture de patrouille. En fait, ouais, faut chacun aura son véhicule. Ok, c'est le comment dire, c'est directement dans le concession qui est ici là. Ouais, c'est ça. Tu fais acheter véhicule et Ok. puis t'achèteras ta voiture de patrouille. Ouais, ça y est, j'ai sorti mon Ok. véhicule, mon petit Lucas. J'ai juste jeté un coup d'œil. Ok. Et tu voulais faire quoi avec le véhicule, mon grand? Ah, là tu vas le sortir là? Bah là, il est là-bas, là, regarde. Ça c'est ton véhicule, ok. Ouais, Ouais. c'est le SUV banalisé qui est déjà sorti, en fait. J'étais au concess, j'ai eu mal à la tête et Là, ce que donc là ce que tu pourrais faire tonton c'est de mettre ce véhicule au garage et essayer de ressortir ton véhicule que tu veux. Ok. Connard de truc. Ok, ça me... D'accord, ok. Faut pas que tu te mettes directement dedans. Non, en fait, mais faut pas garer ton véhicule juste trop près du point. Ah, ok. C'est plus l'ancien. Non, alors attends, je baisse les mains. Donc, non, le véhicule est marqué déjà sorti. Vous m'entendez? Ouais, là, je Ouais, t'entends, ouais. donc du coup, ça doit être un petit souci niveau dans le garage en fait. Faudra que fasse tous un dodo tout à l'heure En et fait, mettre tout ça. y a pas de fourrière. Tu vois, tu te rappelles quand Robert il passe et qui t'enlève ton véhicule parce que t'as été pissé là. Ah oui. Bah c'est ça en fait, c'est ça qui s'est passé. J'étais pissé et Robert est passé, il a emmené mon véhicule quoi. Ça faut que je discute avec le monsieur le maire tout à l'heure. Je Ok. connais, il est pas en ville. Mais comme dit, quand je devrais parler avec le monsieur le maire, vous communiquez directement via l'application de la ville qu'il y aura un petit souci de sommeil et comme ça sera réglé. Ok, faudra aussi demander au maire pour qu'on puisse acheter des véhicules au concess, c'est que j'ai toujours pas ma Mustang. Hein. Ouais, donc c'est quoi, je vais prendre une note. Allez, sortez votre calepin, monsieur. Ah, mon petit Jérémy, comment ça va? Écoute, ça va très bien, hein. Encore été victime du Robert, tu sais, quand tu vas pisser, il passe et puis il embarque ta voiture, quoi. Donc, Ah, ça tu m'as c'est dit. sacré Robert, hein. Tu m'as dit, monsieur le. Alors, Comment tu vas? Salut! ouais, donc le concess, qu'on puisse acheter les véhicules, tu vois, concess citoyen, si tu vois ce que je veux dire. Et Un bon, concession moldu plutôt. voilà. Et aussi, bah, je voudrais bien ma petite Mustang aussi. Tang. Je Bien. voudrais un tacos 3 viandes, donc avec kebab, chica
et Thunders. Ah là, messieurs, c'est plus dans les Oui, roses. mais écoute, regarde maintenant. Et voilà. D'accord, Mon je te montre, attends. ouais, mon petit Alan. Ouais, je sais, j'ai vu. Mon petit Alan, viens par ici, s'il te plaît. Alors, ne bouge pas, mon petit, ne bouge pas. Je m'occupe de toi, je vais te tarter ta tronche. Non, je rigole. Alors, hop. Alors, dis-moi, est-ce Nickel. que tu vois quoi dans ton grade? Lieutenant. Ok, c'est cool. Maintenant, viens, je vais te. Bah non, reste là, je vais chercher l'argent pour ton petit véhicule, là, pour la cruiser, là. C'est 20 000, je crois, ouais, c'est ça. Je vais te chercher Ok. ça. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça passe lieutenant. Ah ouais, ok. Mon petit, je vais aller chercher l'argent pour qu'il achète sa Jaloux? voiture. Là, t'as vu, jaloux? J'arrive. Là, c'est celle-là, au fait. J'arrive. Yep. Hop, je monte sur la parabole. Qu'est-ce qui se passe? Alors, hop, on range le téléphone. Bim, la porte est fermée, il faut l'ouvrir. Voilà, hop, je vais dans mon bureau. Hop là. Putain, c'est mon bureau ça. Oh putain, c'est mon bureau, c'est trop beau ça. Alors, il faut que je retire des fonds, bien entendu. Alors, retirer argent de la société. 3 000, bien sûr, hein, je vais pas lui faire payer son véhicule de fonction. Hop, hop. Voilà, hop, ciao. On y va. Toc, 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 toc. Hop là, une, deux, hop là, on y va, c'est parti. Alors, hop, on referme le bureau, on sait jamais ce qui peut se passer. Hop là, tac, tac. Voilà, allez, ferme-toi la porte. Hop, voilà. Tac, 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 hop là, tac, 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 hop là, hop là, hop là, hop. On fait du sport. Hop, 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 hop là, hop là, hop là, hop là, là. Allez, viens mon petit Alan, viens voir par ici. Hop, ne bouge pas. Là, tu m'entendais bien ou quoi? Alors, hop, c'est pas ça que je voulais. Espèce de mille, on s'en fout, c'est pas ça. Hop là, Non, voilà. t'entendais, j'arrive. T'entendais, j'arrive. Tac, tac, donnez un. Par contre, il faudra que tu changes ta. Hein? Ah, c'est notre toi, il faudra que tu passes ta tenue. Excuse-moi, est-ce que tu De peux quoi? juste t'écarter un petit peu, Jérémy, s'il te plaît? Attends! Tu m'as dit quoi, Jérémy? Il dit qu'il faudra que tu changes ta tenue vu que t'es passé. Oui. Voilà, tu peux Oui, acheter ton hop. petit véhicule. Ok. Non, ça va, tonton? Attends 2 secondes, je vais régler quelque chose. Attends. Voilà, c'est bon, on m'entend. Ouais, on t'entend, on t'entend. Ok, très bien. Et voilà, il est content, le petit Alan, et à son petit véhicule. Alors, attends, comment on va arranger? Alors non, Alan, je te conseille de te garer un tout petit peu, t'écarte un petit peu du point. Sinon, tu vas rentrer dans la voiture à chaque fois. Bon, mon petit Lucas, comment ça va? Non, il est dans sa tête, il est dans sa tête. Ok. Là, je vais la Ah, rentrer ok. sur la mienne, Ah, comme okay. ça. Donc, alors que je t'explique, du coup, Alan. Donc, ouais, donc, il y a les véhicules. Donc, tu vois, on a acheté notre petit véhicule. Ensuite, donc, les salaires pour l'instant, bah, j'ai mis une certaine somme. En fait, je peux pas aller plus haut. Tu vois, Okay. moi par exemple, pour moi, je me suis mis 800, un truc comme ça. Je sais plus, en fait, je pouvais pas aller plus haut. Donc voilà, donc j'ai réussi à changer quelques trucs. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Bah alors oui, vous regarderez sur l'application de la LSPD là. Je vous ai envoyé le document avec les droits Miranda, hein, téléchargez-le. Bon, pour l'instant, ça va pas servir à Ouais, je vais le faire, c'est grand-chose vrai, je vais le faire. parce qu'on n'a pas de système d'avocat et de tribunal, donc. Donc dans un premier temps, si jamais il y a besoin de faire une arrestation, donc on amende.
Il n'y a pas de garde à vue parce que on est obligé de lire les droits et dans les droits il faut un avocat et on n'en a pas pour l'instant. Donc on l'amende. Au pire des cas, si c'est vraiment un coriace, on le met en cellule et on le fait chier un petit peu. On l'interroge surtout pas, surtout sur rien. Et puis voilà, ça va bien se passer. Autre chose, ça c'est. Je suis passé au concès là, auto. Et faut voir le catalogue des motos, il est magnifique. Ouais. Ouais, je peux te dire qu'il y a de la moto. Regardez, il est pas beau lui à parler dans sa tête. Ouais. Donc c'est bon là, on entend. Moi je vous entends bien, vous m'entendez bien là du coup. Ouais, parce que m'auto-sucer les cordes vocales, c'était un peu chiant, là j'ai plus besoin, ça fait du bien, ça fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est déjà pas mal, hein, on a déjà mis en place. Oui. Dites-moi que si vous... Les yeux ou pas, dites-moi. Tenez-moi au courant, s'il vous plaît. Ah, si tu veux Enfin. qu'on ferme les yeux. Non. En fait, là, je vais faire quelque chose et dites-moi si vous... Ah. Prévenez-moi s'il y a quelque chose qui change, en fait. D'accord. D'accord. Hey, gardez l'œil vif, les petits. Gardez l'œil vif. Regarde Attention. le ciel. Regarde le ciel. Il peut y avoir un dragon qui débarque à tout moment. Hein. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a Alan qui bouge. Ouais, je crois qu'il a. Alan. Sors tout de suite Oui? ce téléphone de tes fesses. Je crois qu'il est en mode vibreur et te fait faire des trucs bizarres. Je le vois pas. Je vois pas. Non, mais je crois qu'en ce moment il n'y a plus de téléphone, du coup. Non, il n'y a Genre, plus de c'est quoi téléphone, ça? non. Ah ouais. Voilà. On nous a volé nos On nous a téléphones volé nos pendant la téléphones nuit. pendant la... La faute à Lucas. Dites-moi s'il y a quelque chose. Là, il y a rien qui a changé, là. Le ciel, j'ai l'impression Si qu'il y a a changé changé, un j'ai petit l'impression peu. qu'il a changé un petit peu. Oui, ça s'appelle la nuit, mon petit Alan. Tout à l'heure il faisait jour et maintenant il fait nuit. Non, comment dire? On va dire qu'avec mes yeux, en fait, Avec les mes yeux, en changements de fait, temps les se font assez changements de temps se font rapidement. assez rapidement. Alors moi, ce que je viens de voir, c'est qu'il y a des portes qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules. Hein. Oui, aussi. Donc voilà, donc ton... Allô? Ouais, ça coupe quand tu parles. Ouais, je t'ai demandé en fait si t'avais ton petit souci réglé ou pas. Ah, tu veux que je regarde? Tu regardes? Ouais. Eh ben non, il est toujours sorti, mon petit véhicule. Ok, là faudrait que je passe un petit Tempête. truc dans ma... Ouais, que je programme une tempête et c'est pas trop comment faire quoi. Bon, ça, faudra parler au maire qu'il mette la fourrière. C'est ça déjà un point là et l'autre point qui me pour qu'il me montre pour la tempête en fait. Mais t'inquiète pas, t'auras ton... Ouais, je m'inquiète pas, je sais que ça va se régler. Comment je voulais dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'emmener au garage central? Je voudrais vérifier quelque chose. Ouais, bah Oui, si tu si veux, tu oui, y a pas de souci. si tu peux juste aller quelque part d'autre, s'il te plaît. Tu veux que j'aille où? Va dans les Va dans garages. les Où tu garages. vas? Va dans les garages. Ouais. Ah bah, attends, il a un véhicule. Bah, viens, on va prendre son véhicule. Et comme ça, moi, je peux regarder aussi. D'accord. De quoi? Ah, tu peux les Ah, mettre tu toi peux les aussi. mettre de toi. On va où? Waouh. Garage Garage central, central, s'il non? te plaît. Garage central. Ok. Oui, bon, c'est bon, j'arrête, c'est bon. J'arrête de toucher le drapeau de bord. Sale gosse, sale gosse. Je vais doucement avec les mots de tête, hein, au cas où. Ouais, pas de problème.
Prends ton sarana, non? Prends ton Je sarana, non? Oui, ça va, ça va. Ouais, prends ton sarana, t'inquiète, Ouais, prends ça ton va. sarana. Voilà. Nous voici au garage central. Bon, je vais juste vérifier un truc. C'est qui a sorti cette voiture? C'est toi? C'est moi? Ouais, c'est moi. Pourquoi j'ai dû sortir la voiture en fait? C'est pas normal, c'est pas normal. C'est peut-être compté comme un véhicule personnel. Ouais, à mon avis, c'est peut-être quand. Essaye de l'arranger s'il te plaît, parce que là du coup t'as appuyé en même temps que moi, je sais pas du tout si c'est ton véhicule ou mon véhicule. Vu qu'il était dedans, je pense que c'est Dedans, le je pense sien. que c'est le sien. David, il fallait pas sortir le véhicule en même temps que moi. C'est bon, tu peux le sortir. D'accord, ok, je vois. Hop. Ok, c'est bon, j'ai Ouais, vu ce que je voulais dis-moi. voir. Donc en fait, de n'importe où, on peut sortir les notre véhicule de patrouille. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est pas mal en moins. Pas mal en moins. Parce qu'en fait, je vous explique, juste avant, j'ai crocheté un petit véhicule pour une réquisition. Et quand j'ai appuyé sur la boîte à gants, elle s'est ouverte et il y avait les clés dedans. Donc je voulais juste vérifier que ça l'avait pas mis dans mon garage, que ça m'avait pas donné la carte grise quoi. On retourne comme il va. Donc Ouais, sur les chauffeurs, vous pouvez faire un round. une ronde. Ah, ça fort, faut pas faire une ronde. Ouais. Ouais, Vous pouvez faire un petit tour vers le tableau, voir si c'est silencieux. Alors nous appelons Le ça tabac. un détour, mon cher neveu. Bon, en fait, comment t'expliquer ça? C'est que tu vois, comme ça, tu t'es posé là-bas, quoi. Ah, d'accord. Alors, attends, mets-moi un point, j'ai pris. Je me rappelle là où j'avais le Attention. tabac dans la salle de ville. Là, c'est là-bas. Ok. Vous me dites si ça je dois ralentir ou pas. Il y avait une moto tête, mais ça va. Ah, par contre, il y a un gros là. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Faut peut-être ralentir un petit peu quand même. C'est parce que Lucas il a mangé trop de burgers. Du coup des fois ça stoppe le véhicule quoi. Merci, merci à tonton, hein. Mais de rien, je Ciao. t'en prie, c'est gratuit. Oui, monsieur le. Ah, vos collègues. C'est normal qu'il y ait une Normal voiture de qu'il y ait patrouille une là-bas? voiture de patrouille là-bas? Ouais, Ouais, c'est no normal. c'est Ouais, normal. oui, c'est vos collègues qu'il faut les contrôler au radar. Ok. Ok. Bah, du moins, je pense, parce que vous devez le savoir. Vous êtes policier, moi je suis pas policier, vous voyez? C'est, tu vois, Je viens de me réveiller. tu mon vois. petit Alan, c'est les collègues là. Comme ceux qui passent leur temps à boire des cafés, à fumer des clopes sur le côté du Comico. Ah, Jean-Mich. Ah, Jean-Mich. Voilà. Ouais, Ok. Michel, tu sais, Jean-Mich et toute la compagnie là, tu sais. Ouais, il y a Ouais, Roger qui souvent est sur son téléphone d'ailleurs. Hein. Bernard avec la bière à la main tout le temps. Ouais, non mais. Bah, il fout rien, Bah, il fout rien. Tantôt, il est payé à se voir la nuit, tu sais. T'inquiète. Ah, mais Je sais t'inquiète, hein, ouais. j'ai relevé les matricules, ils sont pas payés, hein. Heureusement. Imagine qu'ils soient obligés de les payer. Bah là, on serait ruiné, hein. Oh là. Ouais, j'ai le volant qui Ouais, a tiré un petit peu. donc n'oublie pas, mon petit Alan, que je juge ta conduite, hein. Tu es mon pilote d'hélicoptère, n'oublie pas.
Deux boules. Pardon. Attention, hein, parce que sinon tu vas devoir de l'argent à Alan, hein, si tu l'insultes. Hein. Et regarde-le, l'autre, il marche comme un zombie. Ah, Bernard. Mais va te faire enculer, non, mais là-haut. Allez, on y va. Merci, merci, monsieur le commissaire. Allez, boss, feignant. Ouais. Le mec qui avait là-bas, quand on pourrait être à lui enculer. C'est quoi cette voiture? Ah, attends, on va aller voir. Bon, il est occupé, Bernard. Ah, ça, tout comme ça, c'est la voiture de Bernard. Vous êtes sûr? Ouais. Qui s'est occupé? Il est occupé. Il est occupé, le tabac? T'as dit que... Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Attendez, je sors. Faites une vérification de la plaque, s'il vous plaît. Bon, il doit avoir son matos sur le... Allez, va travailler, mon petit. T'as juste un truc de voir si on a le même truc qu'avant. Non, on l'a pas. Sur les anciennes voitures, comment dire. Dans l'ancienne ville, on avait des radars. Ouais. Faut regarder, il y a des radars, je sais que normalement il y a des radars. Enfin, si tu veux, dans mon ancienne ville. Oui, t'avais, tu pouvais oui, contrôler la vitesse par rapport à la voiture, c'est ça? Avec la voiture? C'est surtout aussi que t'avais une sorte de petite GoPro qui se mettait à l'avant. Okay. Qui donnait le modèle de la plaque, la couleur de la voiture. Okay. Et la vitesse. Ça, théoriquement, ça, c'était censé être mis. On va voir si si ça peut être mis. Hein. Bah, c'était pas mal comme système. Ouais, c'est bien ça. Allez, on laisse ça. Bisous. Bon. Il est parti de là pas loin. Hein. Il est parti de ma voiture. Allez. Oui. Direction la LSPD, les gars. Ok. Bon, par contre ça fait chier parce que j'ai pas les VTT et j'aimerais bien recruter là, il y a un petit gars là qui est venu et que je dois recruter là en tant que cadet, mais bon, j'aimerais bien lui faire faire un tour de VTT quand même. Bon, je dois me rester professionnel. Je suis commandant. Bon, j'aurais bien aimé mettre un TG dans le truc, mais bon. Ouais, voilà. Alors, je viens de recevoir mon salaire. Ah, oui, ok. Donc, moi, j'ai pu mettre 695 dollars maximum. Hein. Nous, on a 600, je crois. Donc, faut que je regarde si ça a changé ou pas. Et si on veut mettre plus, après c'est directement les dieux qui doivent le faire. Ouais, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a une limite. Je suis seul à avoir des mini-motets. Non, moi j'en ai. T'inquiète. Bon, j'en ai profité. J'en ai profité là pour faire un petit tour à l'armurerie. Donc j'ai essayé, y a arme blanche, PPA et mercenaire. Donc quand tu vas sur mercenaire, ça fait rien. Quand tu vas sur PPA, ça fait rien. Quand tu vas sur arme blanche, en fait, tu peux acheter ton PPA. Mais va falloir que je parle au maire parce que le PPA, il vaut que 5000 dollars, je crois. Ok. Bah limite, on peut aller chercher, non?
Bah oui. Non, Non, pas on pour s'en fout pour l'instant. Tant que c'est pas réglé, vaut mieux pas le prendre. Ah, ok. On va attendre que ça soit réglé, les gars. T'arrives à voir pourquoi la porte se marque fermée alors que. On détache la ceinture, on sort du véhicule, hop là, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ouf. Allez, on y va, pas de course, une, deux, une, deux, on y va, c'est parti, go, 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 go. Allez, go, 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 go. Hop, 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 on y va, go, 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 hop là. Pourquoi c'est ouvert, ces putains de portes? Bon, alors, allons voir. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que je peux toucher ou pas? Gestion des salaires, on va voir ça tout de suite. Hop. Est-ce que je peux... Hop. Non, je ne peux pas. Ok. Alors, 795, est-ce que je peux ou pas? Non, je ne peux pas. Ok. Ok, on peut acheter les armes. Ok. Qui c'est qui a déposé du pétrole dans le coffre? Il y a du pétrole dans le coffre. Ouais. Ok, donc on a 19 medikits, ça c'est cool, ça c'est des medikits, c'est cool. Alors, prendre arme, je vais prendre une matraque, un pistolet de combat, Par contre, une lampe petite question. torche. Oui. Vous savez, dans vos mains, Dans vos mains, directement, quand elles sont directement, vides, quand elles sont vides. Ouais. on peut avoir la lampe La torche lampe et la torche et matraque. la matraque. Ouais. Ça sera plus pour Ça sera plus Jérémy, pour je pense. Ouais, Comment tu fais comment pour tu fais pour sélectionner, sélectionner ces tournées? c'est pour tourner? À ton muscle. Attends, viens, reviens, moi. Attends, on revient ton. Je vous éclaire la tronche. Allez, bougez-moi ces petits culs, c'est parti! Docteur Dieu. D'accord, ça fait ça. Ok, tac. Docteur Dieu, c'est quoi ce délire? Tac. Sur ça ouais justement ce que je ouais, cherche justement, quoi. ouais, justement. Et après avec la molette D'accord, ok. d'accord, ok. Et ça tu fais pour le même pour les armes, tu sais, pour le taser et tout ça. Ok. Bah le taser je crois que je l'ai pas Le taser encore. je crois que je l'ai pas encore. Ouais non je l'ai pas sur moi. Ah non, je l'ai pas sur moi. Et ben tu fais pareil, et après tu fais pareil pour revenir Qu'est-ce qu'il avait derrière? Il avait la loupe 3 allumée. Merde, il y avait un poteau. Alors, testons deux, trois trucs. Ok, ça marche, ça c'est vérification de véhicule. Ok, bon. Bon, on va tous sortir une voiture. Et... Et puis on va On va se toucher voir. un œil, pardon. Ce qu'on va faire, c'est que on va se rejoindre au concessionnaire auto. Ou alors, ok. Vas-y, je te laisse sortir ta petite voiture maintenant. Je...
Vas-y, sur au pire, papa, vas-y. Ouais. On fait comment pour activer le bouton pour fermer la clé? Tu regardes sur ton porte-clé, tu t'as le U. Mais je Ok. suis bloqué dans mon véhicule, moi. Voilà. Bien. Bah, à mon avis, je vais devoir faire un dodo parce qu'elle veut pas. Non, non, c'est. Moi j'ai réussi à la fermer de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Ah ok, bon. voilà, je t'ai amené là, Parce que j'ai mis ma... mon petit Alan, pour que tu te fasses plaisir, que tu ailles regarder le catalogue des motos, tu vas voir, il est impressionnant. Ouais, mon petit. Pas réussi à la fermer, hein. Non, c'est ce que je disais à Alan, j'ai réussi à la fermer de l'intérieur, à me coincer dedans, mais pas de l'extérieur. Il y a un léger souci, le... Comment dire? Le vendeur veut pas me Le faire voir le vendeur veut pas catalogue. me faire voir le Ah, catalogue. attends. Ouais, il veut pas. Ben moi je suis dedans. Qu'est-ce que c'est que ce maléfice? Chef, vous voulez? Chef, vous voulez? Hop, magie, je suis là. ouais, donc Là, je peux pas regarder. Bon, restons là et. Et Faire un aller petit faire dodo. un petit dodo, ouais. Ok. Ok. Attends. Ouais, ouais. Tu le vois ton double maléfique là-bas qui part? Ah ouais, faut juste que je fasse une sieste en fait. C'est quoi ce double maléfique là?
Oh bah c'est le moment de faire des siestes. C'est quel véhicule qui est démarré? Elle a pas de tasse au petit véhicule. Et bon, je vais en profiter pour tester mes compétences de policier. Alors, interaction véhicule, véhicule information. Donc il faut que je rentre la plaque. C'est ça le truc quoi. Véhicule enregistré à Ethan Deadshot. Ok, c'est cool. Donc si je prends celui-ci, hop, hop, et que je fasse. C'est bien ça, NMZ. Ah, je vais vérifier sur votre véhicule, on va voir ça. Et en voyant ça, donc W KV A431. D'accord, ok. Donc, à mon avis, le petit. Il n'a pas fait ses devoirs. À mon avis, il n'a pas pris les clés du véhicule. Alors, voyons ça. Donc, N, M, Z, 602. C'est bon. Du coup, t'as réussi à rentrer dans le catalogue. Ah ouais. Alors, tu regardes. J'aime bien les petites jaunes qu'il y a sur ce barreau. J'aime bien. Ouais. Bah, t'as regardé un petit peu les motos. Ouais. Il y en a Il y en une. a une qui me tombe bien. Il y en a une chipotée, Ouais. Ouais, il y en a beaucoup, ouais. Par contre, c'est vrai que les prix sont... Ouais. Sont intéressants. ouais, je pense qu'il va falloir qu'il revoie ça parce qu'il y a beaucoup de prix qui sont les mêmes. Oui, ça après, on pourra toujours les changer. On demandera au concessionnaire lui-même si vous pouvez mettre ses propres prix. Ça reste quand même dans la limite de raisonnable. Ben c'est surtout qu'il faut virer le concessionnaire. Parce que bon, Hein? j'ai essayé d'acheter un petit VTT pour voir si on pouvait acheter un véhicule. On peut pas, donc. Sérieux? Il est toujours pas passé Merde. moldu. Ah. Oh, wow, il est énorme celui-là. Bon, par contre, moi, il y a plein de véhicules importés que je ne vois pas. C'est très Hein? désobligeant. Ah, t'as Cordoba qui coupe de temps en temps. Ouais. Ok. Ah, ça y est. Le petit est revenu. Hop là. Ah, la Ford Mustang GT500. Aïe Ouais. aïe aïe. Ah, c'est bon. Ça y est, t'es revenu, c'est bien. Ah ouais, du coup, il va. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, j'ai des petits soucis apparemment de voix. Ouais, t'es très bas, mon garçon, ouais.
Ouais, du coup, il va falloir que tu repasses te changer, quoi. Qu'est-ce qui arrive? Je sais pas. Il a fait... Alors, Ah! 66. Et il est parti. Ok. Bon, je me suis fait une petite idée de ce que je veux. Bon, on m'entend mieux là ou pas? Ouais, ça va, on Ah ouais. t'entend. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, bon bah déjà il faut que vous alliez vous rechanger du coup. Moi ce que je propose c'est qu'on fasse des petites patrouilles un peu partout. Moi je vais aller patrouiller un petit peu du côté du tabac, du côté de Sandy Shore. Et puis on va essayer de voir si les alertes, si on peut les prendre et tout, tu sais. On va voir ça parce que bon, faudrait voir comment ça marche, qu'on puisse travailler. Ouais, qu'on puisse se faire un peu d'argent quand même. Ouais, voilà. Donc, bah écoutez, bah, je vous propose, on fait comme ça. Vous retournez au, allez, les Speedy, vous reprenez vos petites affaires et puis on patrouille, hein. Bon, après, j'avoue que s'il y a un problème, bah, envoyez un message sur l'application de la ville, sur, comme ça. Voyez, enfin sur l'application de la ville, non, en privé, envoyez des messages privés, d'accord? Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas de radio, on n'a pas de téléphone, donc on ne peut pas se prévenir, hein, s'il y a un souci. Voilà. Très très compliqué. Mais bon, on va faire avec. Donc voilà. Bon, bah écoutez, moi je vais aller Ça sera patrouiller du côté. la faute à ça sera la faute à Allez, va te changer, toi, c'est pas vrai. Allez, on y va, c'est parti les poulettes. Donc j'ai vérifié là, j'ai vérifié vos plaques et mes plaques. Donc les véhicules sont bien enregistrés à nos noms. Ok. Bon, par contre, t'as pas éteint le moteur de ta petite voiture, toi, hein? Ah, je peux pas l'éteindre moi, apparemment. Alors, on va aller en direction du tabac, voir si tout se passe bien par là-bas. D'accord, ça me retire la ceinture quand je fais ça. Ok. Allons tester ce petit bolide sur l'autoroute. C'est parti. C'est vite dire. Ah, c'est très bien. Tabagiste type smoke tabac. Très bien. On va aller voir le petit tabagiste à l'heure.
Bonjour, monsieur le tabagiste. Ah, bonjour, monsieur le commandant. Comment ça va, mon petit Lucas? Oui, toi, moi. Ça va, et toi, mon petit. Bon, écoute, très bien. On fait des petites patrouilles comme ça. On va essayer de voir un petit peu s'il y a des appels, si on peut y répondre. Enfin, des appels entre guillemets, quoi. Bagarre ou truc comme ça, quoi. Ouais, bah ouais. Donc, ça se passe bien là, tout ça, la récolte et tout. Non. Ouais. Ah, pour le tabac, pour l'instant, c'est très bien. Ouais, et oh, bah, c'est c'est assez bien. correct. Ok. Ok. Donc. Du côté de. Ouais, dis-moi. Du côté de la SPD, ça va? Bon, écoute, ouais, à part bon, le souci c'est comme il n'y a pas de téléphone et qu'il n'y a pas de radio, bon, bah, pour l'instant c'est un petit peu compliqué pour se parler quand on fait des patrouilles. Je comprends. Donc j'ai dit au petit gars, Ah, s'il c'est y avait assez un pro, compliqué s'il y tout avait ça. un souci, il m'envoyait un message privé sur mon téléphone que j'ai, pas bah, sur ma petite tablette, tu vois ce que je veux dire. Puis bah voilà quoi. Ah ouais, je vois. Ouais, donc voilà, donc on fait des petites patrouilles. Moi, je m'occupe un peu du nord. Je les ai emmenés là, je leur ai fait plaisir. Je les ai emmenés au Concess pour qu'ils voient un petit peu les petites motos et tout. Ah ouais. Ouais, donc Ah bon voilà quoi. quoi. Bah Bon. qu'est-ce que Ouais. non, parce que c'est un petit peu compliqué pour moi parce que bon. J'ai un petit peu de chance, la récolte, elle est tout près d'ici, elle est juste de côté de l'entrée. Et pour sécher, j'ai le séchage qui est juste où l'assemblage qui est où on est dessus, quoi. Ouais. Et bon, pour la revente, c'est en ville. Ok. Du coup. Bah ça, faudra parler avec monsieur le maire là. Parce que là, je pense qu'à mon avis, tu vas être de même avis que moi, il faut quand même un peu bosser. Et je pense que la récolte, faut la mettre un peu plus loin quand même. Ouais, non, mais ça c'est. Ouais, c'est. Bah, je voulais déjà parler, il m'a dit au prochain dodo, quoi. Du style, mais un bon petit dodo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Ça sent la réunion avec le maire ce soir. C'est exactement ça. Bon, c'est pas le tout, mais faut que je mange et que je boive un petit peu quand même, Ah oui, n'oublie pas de manger, tonton, hein. C'est hein. Ouais, oh très important. putain, comment ça se fait que j'ai autant de bouteilles vides sur moi, quoi? Est-ce que tu as fouillé les petites poubelles là? Pas du tout. Bah, J'ai 14 ça fait bouteilles, bon des fois, tonton. j'ai 14 bouteilles vides. Bah, hier, j'en ai eu 14. Non, 22. Qu'est-ce que je raconte, 22? Là, je vais encore en avoir parce que j'ai de l'eau, j'ai de l'ice tea. On y va aussi en bouteille. D'ailleurs, faudra que j'en parle au maire là. Le souci de pouvoir prendre. Ah, ça a été réglé ou quoi? J'ai 12 coca sur moi. Ah non, c'est les burgers, on peut pas en prendre plus de 10, donc faudra qu'on voit ça. Ouais, c'est ça, donc les burgers, parce qu'en fait, si tu veux, il y a un peu. Hey, je sais pas si t'as vu ça. Ouais. Cupcake, t'as du pain, t'as des sandwichs, t'as un petit peu de tout en fait. Ouais, ok, bah ouais. Excuse-moi, je regarde. Tu m'entends là? Ah, je t'attends. Ok, je regarde un petit peu Google Maps là. Pour voir un petit peu les alentours, Ouais, ce qu'il y a et avec tout. plaisir. Alors. Donc là, il y a la banque. Ok, la pape, coiffeur, tatouage. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Non, Pourquoi il y ça a tout des ça lettres n'a pas. partout sur la route, quoi? Vous m'excuserez, je retotonne un petit peu. Ah, je sais ce que je vais aller faire. Tu sais ce que je vais aller faire? C'est quoi ça? Tu entends comme moi? Ouais, j'entends quelqu'un.
Allez, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Ah, ok. Ça va et vous? Ça va. Vous appelez comment? M'appelle Walid. Ah, Walid, enchanté. Donc moi, c'est Ethan Deadshot, commandant de la LSPD. Comment? Je suis Ethan Deadshot, commandant de la LSPD. Enchanté. Donc vous êtes venu voir au tabac là un petit peu? Comment? Vous êtes venu faire un tour au tabac? Bah ouais, j'ai vu l'annonce. D'accord, ok. Et très belle voiture que vous avez. Ouais, mais vous êtes le concessionnaire pour l'instant là. Non? Non, je suis plus, j'ai été viré. Ah bon? Ouais. D'accord. Ok. C'est Bon. vrai. Bon, ça va, tout se passe bien pour vous en ville. Ouais, tranquille. Bon, bah c'est cool. Bon, bah je vous laisse discuter, moi je vais reprendre ma petite patrouille. Allez, à Ça plus marche, tard, attends, messieurs. à plus tard. Y a pas de problème, mon petit. Allez, c'est parti. On va fracasser du malfrat. Putain, je vais les refaire chier. Fais attention à ton coccyx. T'inquiète pas, tu vas voir mon coccyx, c'est le coccyx des petits malfrats qui va morfler, tu vas voir. Allez, c'est parti. Alors, on va patrouiller un petit peu par là. Allez, acheter à manger un petit peu. T'as un petit minou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du pain, des sandwichs, des cupcakes. On a de l'iced tea, du café, des cigarettes, on s'en fout. On va acheter des sandwichs, tiens. Allez, des sandwichs. Hop. Voilà. Est-ce qu'on peut racheter des sandwichs ou pas? Non, on peut pas. Est-ce qu'on peut acheter 10 burgers? On va voir ça. Hop là. Ouais, c'est bon. On va acheter du coca. Hop là, voilà. Je peux pas, j'ai pas la place. Hop, 8 coca, ok, c'est bon, c'est parti, on a tout ce qu'il nous faut. Hop, là, vérifions dans l'inventaire. Pourquoi j'ai du pain? Qu'est-ce qui me donne du pain? Ok, j'ai des sandwichs et j'ai du pain. Ouais, ok. Bon, ça c'est bien, c'est beau. Hop là, on a fait notre petit tour. Allez, bonjour monsieur. Monsieur, excusez-moi, ça vous dérange pas de vous balader torse nu? Alors, hop là, carte d'identité, aucun joueur à proximité, d'accord. Hop là, est-ce que je peux te mettre une amende, toi? Non, je peux pas te mettre une amende, toi. Hop là, ok. Monsieur, s'il vous plaît, la prochaine fois, je vous demanderai de pas venir dans ces conditions-là, de mettre un t-shirt, ok? On est pas chez vous, avec votre femme, en train de faire à manger, bordel de merde. Pauvre, et putain, aucune pudeur, cela.
Alors, moi, je voulais faire une petite patrouille par là-bas, là. Hop, on va aller voir ici, voilà. Oui, ça c'est pour laver la voiture. Ok, c'est 100 $ pour laver le véhicule. Ok. Bon, allez, on patrouille un petit peu. Bon, allez, hop, là. On va aller voir si la pêche elle est mise en place ou pas. Pom 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 pom. On va mettre un peu d'essence. Attention, c'est parti. Hop là. On va faire le plein d'essence. Petite glissade. Hop là, non, ça c'était pas prévu. Et si on faisait une petite vérification de plaque, tout à fait. Hop là, on va voir ça. Hop là, hop. Vérification de plaque tranquillement. Hop. Hey, salut Gigi, comment ça va? Putain, on voit rien du tout. Ça va, Gigi?
Il faut que j'arrête d'appuyer sur ce bouton de merde. Ça va, hein. Je t'en remercie. Fais des petites patrouilles pour l'instant. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Attention, hop là. Ouh, punaise, je ne montre pas l'exemple. Attention, je vous double, monsieur. Hop là. Attention, c'est une urgence. Attention, hop là. D'accord. Donc les réactions, elles sont très 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 bien. Ce pauvre espèce de petit con, je ne te maltraite pas. C'est pas vrai, ça. Alors, déjà lui, il va se prendre une amende, lui. Ok, donc il y a la pêche. Alors, voyons à qui appartient ce petit véhicule. Alors, hop là. Alors, évidemment, on voit pas. Et quand on fait ça, on voit pas la plaque du véhicule. Bon, c'est pas grave, il va partir à fourrière. De toute façon, monsieur, c'est une ligne rouge. Alors, interaction véhicule, hop, véhicule en fourrière. Allez, c'est parti. Il n'avait pas à se garer là, celui-là. Voilà, ligne rouge, hop, on se gare pas sur les lignes rouges. Bordel de merde, voilà. Possible, ça. Hop, comme ça c'est fait. Toc. Mise en fourrière. Voilà. Ça se passe bien ici. Bonsoir, messieurs, dames. Donc voilà, je suis Ethan Deadshot. Commandant de la LSPD, donc vous inquiétez pas, la ville est sûre. Hop, regardez, hop là, je sens mon petit pétoir. Hop, vous avez vu, impressionnant. Regardez, hop là, madame, vous savez que fumer ça nuit gravement à la santé. Ok, voilà, cassez-vous. Voilà, c'est pas vrai. Voilà, fumer, c'est pas bien. Voilà. Je lui ai rendu service à cette dame. Fumer, c'est pas bien. Alors, je vais voir si mes petits gars ils vont bien. Alors, pop, mes petits gars, est-ce qu'ils vont bien? Allez, on reprend les patrouilles, c'est parti. Hop là, hop là, hop là, attention, messieurs, dames, hop là. Alors, voyons ce qu'il y a dans le ventre de ce véhicule. Hop. Ouais, ça fait bien demi-tour. On va aller faire un petit tour sur Paletto.
voir ce qui se passe là-bas. Attention mon petit Lucas, tu pourrais te prendre des gifles. Je sens qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent, bordel de merde. Putain, c'est pas vrai. Ah, c'est gamin. Attention monsieur, je vous double, attention. Alors, voyons si on voit où c'est que ça se passe. Pas du tout. Pas du tout, on n'a pas de points. On ne voit pas les points. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Is en ville. Ah oui, d'accord. Ok. Merde. Alors, testons ça. Ça marche pas. Donc, si je fais ça. Ça marche plus, c'est pas ça. Si je fais ça, voilà. Tout est revenu à la normale. Alors. Ok. Bon, pourquoi il n'y a pas de point qui s'affiche? Bien joué Gigi, bien joué Gigi. Bien joué. Ben voilà, ben tu fais du tabac brun et puis c'est tout. T'as qu'à faire du cannabis. Comme ça, je vais venir t'arrêter à mon niveau. J'oublie à chaque fois. Ça aussi, il faudra voir. Hein. Qu'on ait un petit icône qui indique si on a mis la ceinture ou pas.
Tout, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Chiquita, putain, pourquoi j'ai ça en tête moi? Il a dû partir au bon moment.
Vas-y, mon petit! Ah tonton, ça va tonton? Ouais, et toi, ça se passe bien? Et toi, ouais, moi ça va, tout se fait, viens de vendre ah bah là. Ok, ouais, bon, moi j'ai mis des petites voitures en fourrière. Ah ouais? Ouais. Dis-moi, est-ce que tu as vu mon message sur la ville là que j'ai mis là dans le truc? Moi oui. Ok. Attends, faudrait que tu fais un... ta tête. Ouais. Faudrait que tu fasses un slash. Ok. Slash 8 T, enfin TWT, que t'écris ton message. Ok, ça marche. Ok. D'accord. Donc slash tweet. Ok, ça marche. Bon, apparemment, les petits gars, le mec était bizarre, il voulait savoir pour le PPA. Ok, mon petit. Bon, bah je vais retourner au commissariat, voir 2-3 trucs, et puis ah, fais attention à toi. Bah, il te voulait quoi, le gars, là, Walid, là? En fait, tu voulais savoir comment je paye le run. Ah, mais pour l'instant, c'est inclus en fonction de comment il travaille. Ok. Par contre, oui, donc faudra qu'on voit parce qu'apparemment il a été viré du concessionnaire, mais bon, on peut, comme on n'a pas pu acheter de véhicule tout à l'heure, donc faudra qu'on voit ça. Ouais, c'est un... Est-ce qu'on vient au tabac vite fait? Viens. Ouais. Ouais, donc je te dis, Ouais. enfin, je fais pour toi, ça sera. Mais je pense que je lui ai dit, pas comme club, je lui ai dit, ta paye pour toi, c'est 1700. OK. Honnêtement, pas très 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 con. Bon, tu feras gaffe, ça coupe quand tu parles. Ah, ouais, mais... Ouais, par contre, on parle de sa belle voiture. Belle. La voiture qu'il est venu là. Ah oui. Oui, non, mais ça... Ouais, tu vois, moi, je voudrais bien m'en charger de cette personne, en fait. D'accord, parce que Parce je. que il m'a l'air pas très 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 net, hein. Je suis con, j'aurais dû faire une vérification de sa plaque. Parce que le. Ah ouais. Ou alors, c'est qu'il était très très bien payé au niveau du concess pour s'acheter un petit véhicule comme ça. Après, comme dit, c'est le patron. Après je me dis peut-être c'est y a quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense à mon avis qu'il a dû se la faire à pas cher ou un truc comme ça. Ah, parce que moi, en tant que gérant du tabac, Ouais. vendu 150 blondes et 150 brunes, je viens de me faire à peine 24 340 dollars. Ouais, bah oui. Regarde-moi avec mon petit salaire de Lui, police, je suis à 39 000 dollars sur mon compte, quoi. ah, moi sur mon compte j'ai 30 000 dollars. Ouais, donc je pense que il a un petit peu outrepassé ses droits de patron, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, non, mais c'est clair. Je pense que c'est pour ça que le maire a dû fermer l'entreprise. Bon, par contre, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique, c'est que les gens, ils veulent tous le PPA, quoi, en ville. Non, mais c'est quoi ce délire? C'est t'arrives en ville et tu veux une arme directe, quoi.
Ouais, mais moi c'est, tu vois, en fait il faudrait que tu donnes seulement à tes officiers, employés, et il faut que tu donnes, enfin, mais il faudrait que tu donnes aussi au patron, mais là-dedans, c'est pas n'importe quel patron, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. D'ailleurs, faudra qu'on parle de ça avec le maire, là. J'ai été regarder, là, le PPA, là, tu peux le, apparemment, tu peux l'acheter en armurerie, il faut aller dans Armes Blanches. Et Ouais. il te propose le PPA. Mais le PPA, je crois que si je me dis pas de bêtises, il est à 5 000 $. Ouais, mais en fait, si tu veux, moi j'arrive pas. Ah, t'as déjà essayé, t'as, ouais. Bon, en fait, moi j'ai moi justement le marteau que tu m'as offert hier, en fait, j'ai acheté comme ça en fait. D'accord. D'abord j'ai pris le PPA et après j'ai pris le marteau, mais pas toujours pas les armes en fait. Ouais, et je trouve que le PPA à 5 000 $, ça fait pas beaucoup quand même. Ouais. Donc, moi j'ai de l'œil, le petit Walid là. Et comment dire. Ah oui, faudra aussi que je parle au maire parce que. Du coup, on voit quand il y a un délit en cours, mais on ne le voit pas sur l'ordinateur, sur la carte de l'ordinateur, on ne le voit pas. Ouais, mais comme dit, faudrait lui en parler à ça. Alors, Ce soir, ouais. ouais, j'ai eu un petit message du maire qui m'a dit Ah qu'il oui, serait là dis-moi. vers 15 h. Ok, ok, c'est noté. Voilà, et il m'a dit, là tu vois par exemple, il y a vol de véhicule, il me dit juste le modèle du véhicule, le nom de la rue, et ah bah tiens, voilà un petit. Voilà, ça c'est Jérémy ça. Et voilà, sur la map, sur l'ordinateur, on n'a pas la localisation des infractions, donc il va falloir qu'on voit ça aussi. Ça va mon petit Jérémy? Ah, mais c'est mon petit Jérémy, mon petit frère, enfin mon grand frère plutôt. Non, ça me saoule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Il y a des alertes et on les voit pas, ça me saoule. Ouais, je sais. Donc, bah, moi, je me Bah, suis vengé. moi, j'allais dire que je me suis bagarré et il avait le... Alan, je crois qu'il s'appelait comme ça, et il est venu chez moi directement, quoi. Ouais, mais ça, Ouais, c'est mais il y parce a qu'il devait certaines savoir où alertes. c'est que c'était, Il y quoi. a certaines alertes. Ouais, c'est que c'était. Il y a certaines alertes qu'on sait où c'est, mais d'autres que laisse tomber. Ouais, Par mais... contre. Ouais. Là, il y a un mec qu'on doit recevoir une prime. Ouais. Vous avez pris son Comment il s'appelle? identité? Je sais pas comment il s'appelle, mais il fait de la merde. Ah bon. Ah, bah vas-y, explique ce qu'il fait. Bah, tu vois, je suis passé plus du parking central en ville, tu vois. Ouais. Tranquille, tu vois, normal. Et le mec, il sort du parking central, il fonce dedans. D'accord. Et il est sorti avec une voiture. Attendez, je. Oui, il est sorti avec une voiture, mais il roulait pas doucement, quoi. D'accord. Ça me saoule, quoi. En fait, ce que je me demande, c'est comment c'était quoi comme voiture? C'était pas une belle Une voiture de Citroën. sport? Ici. Ok, donc ça, c'est une voiture de sport un peu bleue. Bleu nuit comme ça. Ouais, une bleu, ouais, une Ok, bleu donc nuit, une bleu c'est nuit. le petit Ok, Walid. bah. Ouais. Ok, parce qu'il est venu au tabac tout à l'heure, donc c'est le petit Walid. Et justement, on en Bon, parlait j'ai juste. pas justement. Bon, j'ai pas mis d'amende. Il dit la prochaine fois qu'il passe à casser. Ok, Mais j'ai pas mis alors. d'amende. Quand tu contrôles quelqu'un, surtout tu lui prends sa pièce d'identité. Et le petit Walid, là, justement, on en parlait. Donc je vais t'expliquer, mon petit Jérémy. En fait, il était patron du concess, il s'est fait virer. Et en vue de sa belle voiture et vu les salaires, comment ils sont, l'économie de la ville, je pense qu'il s'est octroyé des petits droits pour obtenir son véhicule. Ah, ça sera. Bah, il va attaquer le domicile. On va tuer ce côté. Ouais, de toute façon, c'est ce que j'ai dit à ton frère. Le maire va sûrement être là à 15 h. Il m'a envoyé un message pour dire qu'il allait être là à 15 h.
Et bon, bah voilà, tu vois, toutes sont confirmées, mon petit Lucas, le petit Walid, à surveiller, quoi. Parce que moi je n'ai pas pris ses papiers parce qu'il m'a dit, je vais être gentil, tu vois, pour la première fois, tu vois. Et m'a dit, même dans la logique des choses, si tu veux être gentil pour la première fois, faut quand même que tu demandes ses papiers. C'est comme maintenant, moi, je te mets, je sais pas, je te mets une pêche dans ta tête, bah, tu vas me demander les papiers, ce qui est normal. Ouais, en fait, Non, mais tu vois, je vais être gentil, il m'avait dit que t'avais mal au ouais. pied, tu vois, mal aux jambes, donc Ok. je vais aller voir les médecins, tu vois, pour être gentil, tu vois. Alors, ouais, donc bon bah c'est pas un souci ça. En fait, moi, il est arrivé au tabac, on était en train de discuter avec ton frère. Et bon bah direct, je lui ai demandé qui il était. Hein. Bon, je lui ai pas pris sa pièce d'identité, mais je lui ai demandé. Mais ouais, il faut qu'on fasse ça parce que bon, lui, il a surveillé. Maintenant, tu sais qui c'est Walid. Il s'appelle Walid, le mec. Par contre, la personne qui a demandé de... Vas-y, ça a coupé. Il a demandé pour le... Et le mec qui a demandé, tu sais, pour le faire... Ouais. Bah c'est lui en fait. Ouais, donc Ok. ouais, c'est bien sûr qu'on croit, tonton. Ouais. Ok. C'est bien lui, ouais. Je peux te le confirmer. Ok, bon bah on Par va le contre, surveiller près de il y lui. avait moi, et Alan. Alan lui a dit pas habitué à le faire et puis l'armerie non plus. Ok. Par contre, donc maintenant, bah la prochaine connerie, on l'amende et c'est tout. Ah, mais ça me saoule, mais ça me saoule, putain, faut qu'il... Tranquille. Je vais voir là parce que le petit Alan il m'a envoyé un message là, il m'a dit que le patron du Beniz il voulait passer un contrat de réparation avec la LSPD, je vais aller voir ça. Ah, il n'y a pas de souci. Vous avez aussi des soucis devant vous, ou en fin de gorge? Ouais, des Ouais, soucis devant, ouais. ouais. On s'entend bien, mais des fois ça coupe. Bon, ce que je propose, mon petit Jérémy, on va aller au PDP. Il y a le patron du Bénis qui va là-bas. Et on va parler contrat pour pour les petites réparations de Ah, véhicules. par contre, Ouais. je t'ai mis ça signaler que les voitures, ils s'arrêtent pas tout le temps. Ouais. Par des véhicules, faut y Je rester allumé sais, des fois. je sais, je sais. Bon, Attends, c'est. attendez, je vais demander à ton téléphone. Et pour la clé, c'est pour la clé, tonton. Ouais. Quand t'es dedans, en fait, ça ferme, mais tu peux de nouveau ouvrir, tu passes une lumière de l'intérieur. Ouais, je sais. Je suis resté coincé comme un con Fallait que dedans ça. tout à l'heure. Ouais, mais tu. En fait, tu sais, quand tu tombes juste pour fermer. Ouais. Le même muscle pour ouvrir de nouveau en fait. Ok, ouais. Bon, bah allez, Tu vois ce que je veux dire ou pas? on y va, mon petit Jérémy. Bon, mon Vas-y. petit Lucas, tu fais attention à toi. Puis on va garder l'autre à l'œil. Tiens, regarde, je te fais voir mon cul. Désolé. Donc c'est au point des piles, c'est ça, hein? Ouais, on va au PDP. Bon, bah, mon petit Ok, Lucas, on à tout à s'entend l'heure. oui. À plus tard. Oui, à tout à l'heure, ouais, plus tard. Fais pas de bêtises ou je t'amende. Non, t'inquiète, tonton. Mais pourquoi il met les sirènes, lui? Oh, purée. C'est pas vrai, ça. Allez voir sous ça. Hop là, on a failli se manger le mur. Ah, faut que j'arrête de faire ça me fait retirer la ceinture. Ça, c'est la mettre. Ok. Là, je l'ai mise et faut se faire au bruit quoi. Bon, allez, c'est parti, on va aller voir.
Hop là. Coucou mon petit Alan. Ça se passe bien? Ouais, la personne que je t'ai parlé est là. Ouais, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, je présume monsieur le commandant. Tout à fait. Vous êtes alors Très bien, est-ce qu'on présentez-vous, s'il pourrait vous se plaît. parler dans un bureau? Oui, ah, venez dans mon bureau. Alors dites-moi tout. Ben je viens aujourd'hui pour négocier un contrat, on va dire. Oui, Un alors contrat que vous payerez à la semaine. déjà, comment vous appelez et qui êtes-vous, s'il vous plaît? Ah oui, pardon, je me suis pas. Je suis Thomas Lowe, le gérant du Beniz. D'accord, enchanté. Donc Ethan Deadshot, commandant de la LSPD. Alors, parlez-moi de votre Donc petit si vos contrat. véhicules. Je vous propose à la semaine 30 à 40 kits de réparation et des réparations, toutes vos réparations gratuites sur les véhicules de police. D'accord, c'est intéressant tout ça. Et alors, vous avez sûrement un tarif, je suppose. À vrai dire, j'ai pensé peut-être à 30 000 la semaine, mais je vous laisse faire votre propre tarif. Alors, 30 000 la semaine, 30 000 la semaine. Pop, 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 pop. Pop, pop. Alors, je réfléchis. Attendez, hop. Je vais faire. Hop. Faire un petit calcul, hein. Je prends note sur le téléphone. Petite calculatrice, hein. Je suis vieux. Hein. Alors, pop, 30 000 si on fait ça. Alors, et si on tablait sur 25 000? Oui, pourquoi pas. 25 000, ça vous irait. Alors, attendez, on est quel jour aujourd'hui? Nous sommes le mercredi. Alors écoutez, moi ce que je vous propose, c'est est-ce que c'est possible de se voir le lundi? Et tous les lundis, je vous donne la somme. Et pour la Pas de semaine à problème. venir. Et je Donc. peux même vous proposer 20 kits de réparation maintenant, sans gratuit. D'accord. Messieurs, allez voir ce que le monsieur derrière la porte veut, s'il vous plaît. Ah non, non, c'est mon collègue. Ouais, c'est son Ah, collègue. d'accord, il n'y a pas de souci. Ouais, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, c'est très bien si je peux faire travailler en plus les entreprises de la ville. Ça me va très bien. Donc, on dit tous les lundis un paiement de 25 000. Et donc, vous nous fournissez les kits de réparation. Et puis, mes petits gars, ils peuvent venir en cas de besoin. Ils vous appellent et c'est bon, c'est ça? Exactement. D'accord, il n'y a pas de problème. Bah écoutez, moi je vais vous. Alors, bon, je vais vous payer là pour la semaine complète, là. Ah, bon, c'est exceptionnel. Et tous les lundis, donc à peu près vous êtes là dans quelle zone, dans quelle tranche horaire? On va dire 17h, 22h, mais Ok. ça va peut-être. D'accord. Bon, on tablera plus sur du 17 h, 18 h max. Donc, bon, bah, pour l'instant, comme vous avez vu, le réseau de la ville, il est saturé, il fonctionne pas. Mais à ce moment-là, moi, si vous êtes là, je passerai vous voir directement. Vous êtes au Bénisse, c'est ça? Oui, il y a aussi mes employés, vous pouvez leur demander, ils sont au courant. D'accord. Donc, bon, alors, par contre, je préfère vous prévenir. L'argent, je vous le donne directement à vous. Donc, comme c'est vous le Ouais, patron. mais c'est je vous parlais pour les kits de Ah réparation. oui, ouais, il n'y a pas de souci, mais c'est surtout pour la transaction. Comme ça, moi, je suis là jusqu'à, en général, jusqu'à 17, 19 h.
Donc le lundi, il n'y a pas de souci, je peux passer et puis on fait ça, quoi. En attendant que le réseau téléphonique de la ville soit réparé et qu'on puisse échanger nos numéros, bien sûr. Eh ben écoutez, bah c'est très bien, hein, ça me fait plaisir de voir déjà de la population et puis de faire marcher les entreprises. Je vais vous donner ça tout de suite déjà dans un premier temps. Hop là. Je vous donne 20 kits de réparation maintenant et après je vais voir dans mon stock si je peux D'accord, il n'y a pas de en faire encore souci. quelques-uns. Alors, hop. Je vous ramène les dans 5-10 minutes. Alors, écarte-toi mon petit Jérémy, s'il te plaît. Hop là, alors. Hop, il faut que je fasse ça. La papa, la pop. Alors. Tac. Okay. 25 000. Voilà, vous avez reçu, c'est bon. Hop là, ouais, merci. Alors, Impeccable. par contre, il y a maximum 5, enfin, 5 kits de réparation par personne. Donc, il y en a 10 dans le coffre, 5 sur moi et 5 sur mon collègue. D'accord. Si vous pouvez. Donc là vous allez faire quoi? Vous allez me donner les kits de réparation, c'est ça? Ouais, là, je vais déjà vous en donner 5 à vous, si ça vous dérange pas. Ouais, y a pas de souci. J'irai les mettre dans le garage. Là et après là il y en a 5 sur mon collègue et 10 dans mon dans le coffre de ma voiture qui est pas loin D'accord. là juste là-bas Ouais, bah y a pas de souci, hein, je vais vous et attendre je vais les là. chercher je vous les ramène donne les Ok, kits je... aux Ouais, gens du policier bonjour monsieur. Bonjour, bah du coup je suis sur ma voie. D'accord. C'est quoi votre petit nom? C'est Yanis Sakazuki. Yanis, enchanté. Ethan Deadshot, commandant de la LSPD. Bah ça va, ça se passe bien en ville pour vous? Enchanté. Oui, très bien. Bon, bah, impeccable. Donc vous êtes mécano au Bénise. Voilà, oui, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, Ouais, du coup, je peux pas vous les donner parce que vous en avez déjà 5 sur vous, il faudrait D'accord, les donner à mon collègue. donnez-le à mon collègue Ah. juste à côté à ce moment-là. Alors. Ah, parfait. Voilà. Je les mets où les kits là? Tu en as reçu combien là? On les met directement dans le. Dans le coffre. Ouais. Ah non. Donc toi t'en as reçu 5, c'est ça, Alan? Ouais. J'ai Ouais, tout le monde a, normalement en a 5 et j'ai les 5 derniers sur moi. D'accord. Alors, hop, Ouais, on va ok. mettre ça dans le coffre. Non, c'est pas ça. J'allais mettre des bouteilles vides dans le Hop, ils sont coffre, devant. c'est valable. Putain, le commandant, il veut s'arnaquer On lui-même les là. met les bouteilles vides? Non, 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 bah, ça va pas. T'as cru que c'était une Ok. poubelle ou quoi? Ok, vous pouvez prendre encore les 5 derniers ou pas? Vas-y, Jérémy, Ah oui, prends-les. allez-y, allez-y. Vas-y. Hop là, tenez. Alors, dites-moi si vous venez par là, s'il vous plaît. Est-ce que tout est en place chez vous? Vous pouvez faire les petits customs et tout ça? Ouais, tout est en place. Il y a quelques petits problèmes, on va dire, pour fabriquer l'équipe de réparation, mais ça, c'est juste D'accord. dans les Alors, petits trucs. pareil, est-ce que vous avez un service de fourrière, vous? Vous récupérez des voitures à fourrière ou pas? Oui, les voitures qui sont mal garées, on les envoie en Ouais. fourrière. D'accord. Imaginons par exemple, moi, ma voiture, elle a été mise en fourrière par un petit compte collègue là. Est-ce que vous l'avez dans votre garage ou est-ce que vous ne l'avez pas? Non, on l'a pas, Ah hein. non, Il est on l'a pas, il est dans le D'accord. garage du gouvernement, on va dire. D'accord, ok. Bon, bah très bien. Si, petite chose, faites attention, il y a quelqu'un en ville alors qui conduit assez mal, donc faites attention. Il a failli renverser un de mes gars. Donc faites attention, il se balade dans une voiture On peut de savoir le sport bleu. véhicule, c'est pas ça. Oui, c'est. Alors j'ai pas la marque exacte, c'est un style de Mercedes bleu nuit un peu. Donc faites attention. Ah, CV70. Ah, d'accord. noir avec du nacrage bleu. Ouais, c'est ça, C'est ouais. ça. Bon. Ouais, bon, c'est qui c'est ouais. Donc voilà, donc il roule pas très bien, on va dire.
Donc voilà. Bah écoutez, bah ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Ça fait plaisir de voir du monde en ville. Et puis bah n'hésitez pas, hein, si vous avez un problème, vous mettez un petit message Twitter en attendant que le réseau soit réparé. Et puis voilà. Hein. Bon, et puis faites attention à vous, hein. Puis bah le Au jour où on revoir. veut un petit custom, bah hein, y a pas de souci, on passera vous voir. Hein. D'ailleurs, vous pensez que vous pouvez custom les véhicules de police ou pas? Ah Custom, oui, mais après, si on les range dans les véhicules, dans les ranges dans le garage, est-ce qu'ils garderont les customisations? C'est pas sûr. Bah, je vais voir En ça, fait, je je vais voir vais. ça avec le maire, justement. Comme ça vous donnera un petit peu de travail. Et puis nous, ça nous boostera un petit peu les véhicules, quoi. Parce que bon, ils se traînent un peu le cul, quoi. Donc, bah écoutez, je vais voir On ça peut aller avec le voir, maire. on peut aller voir samedi activement. Bah non, parce que Direct ou si tu pas. payes ton custom, tu ranges dans ton garage, que ton custom il disparaît, bah tu vas perdre l'argent. Non. Au moins voir le prix des pièces. Bah écoutez, si vous avez Après, envie de toujours on voir, met la mienne. hein, oui, s'il y en a un de vous qui veut aller voir, il n'y a pas de souci, allez voir. Hein, si ces messieurs sont disponibles, il n'y a pas de souci. Hein. Ah Ouais, oui, bien on peut sûr. même faire des réductions. D'accord. Bah écoute Alan, si tu veux voir, hein, même Jérémy si vous voulez y aller, Ouais. hein, moi je suis là, de toute façon je suis dispo, donc y a pas de souci. On fait comme ça. Ouais, je vais leur emmener mon véhicule D'accord. Bon bah pour écoutez ça. messieurs, bah, je vous remercie, puis bah voilà, on se donne rendez-vous tous les lundis, et puis moi je vous donnerai Ouais. l'argent directement, monsieur le patron. Y a pas de souci. Bon bah Salut. merci, et puis bah bonne collaboration à Au nous. revoir. Hein. Au revoir, bonne journée messieurs. Ouais. Au Au revoir. revoir. À demain pour vous. Merci. Bon, bah, je vais leur emmener Merci. Ouais, bah Je vais emmener vas-y, mon comme ça véhicule alors. tu vois un petit peu. Et puis, bon, alors les gars, par contre, Je justement tiendrai. là-dessus, je vais vous briefer. Donc, si jamais c'est possible de booster un peu les véhicules, hein, bien sûr, on booste le moteur. Hein, on met pas des jantes tacos Bimbendos, ok. Et par contre, chaque véhicule, je tiens à préciser, c'est sur notre compte, hein, le custom. Hein. Moi, si je veux faire C'est mon le compte de véhicule, l'explique, ouais. non, justement, c'est sur ces Ok, véhicules. Voilà, oui. si on veut une petite personnalisation du Ok. moteur qu'elle pousse un petit peu, ça par contre, ça sera à vos frais, c'est votre véhicule. Donc, je pense que parce que Ouais, c'est sinon, normal. voilà, comme ça, on est tranquille et aussi on peut pousser les véhicules un petit peu. Normalement, le maire devrait être là vers 15 h. Il m'a dit, m'a envoyé un petit message, Ok. et puis voilà. Donc, bah, moi je viens de comprendre, hein, comment on envoie les messages sur Twitter. Hein. On va communiquer de temps en temps comme ça avec les C'est vrai, citoyens. c'est vrai, tu vois, tu vois Twitter, tu connais pas quand on roule. Bah écoute, je suis vieux moi, tu sais, à part Tinder pour pécho de la meuf, voilà quoi, c'est tout ce que j'ai appris. Hein, voilà quoi, hein, bon. Bon bah les petits gars. Pas touche à mon pote, pas touche à mon truc, hein. C'est moi le charou d'ami. Ouais, Ah bah merde. écoute, c'est toi le charreau, c'est moi le beau gosse. Hein? Elle est pas mal envoyée celle-là, mon petit Alan, hein? T'as vu un peu ça? Oh, Dieu. Ouais, beau gosse, Voilà. on en reparlera, hein. Bah on en reparle Le beau que gosse t'es avec en... plaid, Ouais. dis donc. On en reparle que t'es obligé de passer derrière tonton pour voir ses belles fesses, hein? Donc voilà, c'est Bah que non, c'est pas j'attire arrivé. même mon neveu. Non mais de Dieu, c'est pas vrai. Bon bah écoutez, on va faire comme ça. Toi tu fais quoi mon petit Jérémy? Tu vas avec Alan ou tu vas patrouiller ou tu vas te toucher la nouille? Me branler, pardon. Bravo, Bon bravo, bah écoute. bravo, félicitations. Putain, je te jure. Bon, bah écoutez, faites comme ça et puis voilà, hein, comme ça toi tu vas voir un petit peu, hein, comme je sais que t'aimes bien les rayons. Jérémy, j'ai le même problème Jérémy, que j'ai le toi. même problème que toi. Mais quoi, problème On va psychologique? dire que Problème mon moteur peut psychologique. plus Mon s'éteindre. moteur peut plus s'éteindre. Ah, Ah. bon bah Et c'est c'est. depuis que j'ai récupéré les clés. Ah, d'accord, bah ouais, je crois qu'on a tous le même problème, mais bon, c'est. Non mais de toute façon, faut qu'il regarde pour ça, il faut qu'il regarde Ouais. l'action de voix, Il tu y a des sais, problèmes l'erreur à qui arrive régler. pour l'erreur. Ouais, ok. Y a pas de souci, de toute façon, on va régler tout ça. Bon, bah les petits gars, bah toi, Alan, je sais que tu vas au garage. Toi, Jérémy, tu vas faire quoi alors? Bah, je pense que je vais aller aussi au garage, je pense. Ok, et n'hésitez pas, hein, si vous voyez une voiture mal garée, paf, fourrière. J'en ai foutu une à la fourrière, là, elle était garée sur les lignes rouges. Hop, je lui ai mis à la fourrière, ce petit con.
Ouais, on va Et dire qu'il y a une 770 noire et bleue en plein milieu de la route, moteur éclaté. Je suis monté dedans, faut rire. Ok, Je pouvais alors pas la bouger. pour le gars de tout à l'heure là qui est sorti du parking comme un fou, j'ai donné, je connais son identité, hein, enfin son prénom c'est Walid. Donc celui-là, si jamais vous le Ok. reprenez à faire une infraction, vous l'amendez direct. Il y a pas de et c'est très important si vous contrôlez quelqu'un, si vous parlez à quelqu'un, prenez-lui sa carte d'identité. Comme ça, vous savez qui c'est. Et puis bah voilà, ça va être direct une amende. Et c'est on va pas Alan, rigoler c'est le quoi. mec chelou qui a demandé de... C'est le mec chelou qui a demandé de me faire perdre. Oui, bah oui, c'est lui. Ouais, bah oui, c'est lui. Donc voilà, donc là, Jérémy, il a Et voulu qui m'a être. foncé dedans niveau parking central. Il a voulu être gentil dès la première fois. La prochaine, c'est une amende directe. Hein. Faut bien qu'on remplisse les caisses. Donc voilà, donc bon, bien sûr, sérieux, hein, les gars, hein, vous restez cool, vous énervez pas. On est là à Par LSPD, on contre, n'est pas la police, pas une milice. Hein. j'ai pas une milice. Par contre, j'ai Ouais. essayé d'aller sur les appels là, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais ça, justement, je pense qu'il va y avoir un petite réunion avec le maire et tout ça, t'inquiète pas, quoi. Tu sais, il faudrait comme le système comme les autres villes qui fait un petit appel sur ton téléphone et ça te Mais comme pour des l'instant conseils. le réseau de la ville il est en panne, ça va être compliqué. Ah mais c'est une solution pour nous, tu vois ce que je veux dire quoi. Ouais, bah oui, tout à fait, c'est ce qu'il faut justement. Je vais en parler de ça. J'ai regardé en fait, Regardé en fait, au moment où tu reçois un appel, Ouais. quand on Quand regarde notre on carte, regarde notre carte, le point disparaît disparaît entre entre 5 5 secondes secondes et 10 secondes. Ouais, Donc le temps que tu te mets, ça tant que va tu très regardes ta vite. carte, c'est mort. Ouais, j'ai vu ça au tabac. Ouais. Ah c'est pas ça, il faudra qu'il corrige ça quoi. Ouais, bah oui. Ok. Bon, bah, allez-y. Bon, Ouais. bah, c'était qui qui était près de la supérette tout à l'heure? T'es parti comment je suis arrivé en fait? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok. Il y a eu une bagarre là-bas, c'est parce que t'es arrivé là-bas en plus. Ok. Bon, bah, les petits gars, on fait comme ça. Et Ah, puis, pas chier. Hein. bah, je vous laisse aller voir au garage. Et puis moi, je Ouais, vais. on t'en tient informé, tant Ouais, il qu'il n'y a pas de souci. Vous fermez bien les ferme. portes de devant. Moi, je vais aller me toucher un peu la nuit dans mon bureau, là. Non, je crois que c'est. Parce que c'est fermé ici. Bah attends, ici on voit passer Attends, pour ici on voit sortir. passer. Bon, bah, les petits gars, faites attention à D'ailleurs, vous. Hein. ça. Bon, bah, allez, à tout à l'heure, les petits gars. Pas de J'allais soucis. faire de la Bah paperasse, moi. justement, À on tout à devrait l'heure. pas laisser. On devrait pas laisser les portes ouvertes là-bas devant. Bah, Et non. fermer les portes là-bas Bah, devant. étant donné qu'il n'y a plus personne. Vu qu'il n'y a personne pour accueillir les gens nous envoient un petit message Twitter s'ils ont besoin quoi. Là, on a Ouais, ok, ouais. LSPD Twitter quoi. Elles sont fermées les portes devant. Oh, ils sont fermés, putain, ils sont fermés. Ok, hop là, demi-tour. Putain, il est vif le vieux, il est encore vieux. Ah bah tu me fermes les portes à la gueule. Ah bah bravo. Bravo, ça y est, Ah non, regarde. non, 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 T'as c'est fait pas moi, bugger c'est les moi. portes. Bravo. Regarde. Attends. Ah, attends, À attends, moi? on va À régler moi? ça. À moi? Hop, voilà. Voilà. Vas-y. En fait, tu t'éloignes un petit peu D'accord. et tu verras les clés, tu bois une seule porte. Bon, moi je vais aller dans mon bureau, je vais aller faire un peu de paperasse. Oh. Bonne paperasse, c'est bon. Merci. Pa-pa-pa-pam, je suis le commandant, c'est moi le chef. Là, 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 là. Regardez, on va les voir, regardez. Regardez-les. Hop là, ils sortent leur petit véhicule là. Hop là, regardez, vous voyez, ils me voient pas, ils savent pas. Ils savent pas que je les observe. Hop, allez, maintenant le petit Alan sort son véhicule, très bien. Hop, regardez, hop, regardez comment il court bien, une vraie gazelle celui-là. Ah, purée. Bon, allez. Allez faire un peu de paperasse dans mon bureau, moi. Ah. Tut, 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 tut. Hop là. Voilà. Hop. Alors, hop, mon siège, mon super siège confortable. Hop, par ici, par ici. Hop, par là, hop, par là. Voilà, alors, hop, donc on fait ça. Tac, 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 tac. Hop, voilà. Hop, putain, qu'est-ce qu'on est bien dans ce fauteuil. Oh, putain, il est bien ce fauteuil. Hop, alors, hop. Hop, pourquoi je me relève moi? Putain, ça fait chier. Tac, tac.
5, hop là. Tac, 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 tac. Par contre, ça serait bien que l'animation y aille. Faut qu'elle reste en fait. Bon, voilà. Hop. Fais des petites bidouilles sur le téléphone, tranquille. Hein. Attendant. Bon. Très bien. Hop. Impeccable. Ça, c'est très bien. Donc, petit contrat passé avec. Regardez. Et en fait, il faudrait que les animations. Tiens, alors est-ce que je peux pas le faire avec la roulette? Je pense pas. C'est quoi ça? Oh, calm down. Ok, donc ça je sais ce que c'est, ça ok, c'est quoi ça? Yeah, bonjour. Ça c'est quoi ça? Hop là, putain cette pause. C'est quoi ça? Hop. Ça sert à rien du tout. Ok. C'est quoi ça? Ouais, ok. Ok. Allez vous faire enculer. Bon, on arrête les bêtises. Voilà. Bon, je peux pas rester assis. On va rester debout, hein, c'est pas mal. Alors, moi je voulais aller voir un truc. On va aller vite checker un peu les touches vite fait serveur pour voir deux trois conneries. Alors pom pom tac 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 tac. Il va falloir, alors je pense demain je vais faire le recrutement là. Ouais, j'avais un bruit bizarre dans ma dans mon casque. Alors, sont ces touches serveur là. Pipipi. Touche. Contrôle X radar de police. D'accord. Pour ramener les animations, prendre le skateboard. Prendre quelqu'un en otage, on s'en fout. Non, non, non. Alors, on va voir ça. Alors, hop, on va aller dehors. On va revoir tout ça. Pim, pim, pim. Hop là. Je suis le commandant de la LSPD. Hop, 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 c'est moi le chef. Qu'est-ce qui se passe? Hop là, toujours faire attention aux escaliers. Hein. Très important. Hop là. Ça va les petits gars? Yeah. Bonjour messieurs. Toujours en train de boire des cafés et fumer des clopes. C'est pas possible ça. Alors, il me dit que c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai compris, d'accord. Enfin, j'ai compris. Non, si je fais ça. Ok. Alors, comment ça marche ce truc? Ok, ça c'est quoi ça? Ok, ça marche comme ça, d'accord. Donc là, hop. Si je fais ok, donc ça, on s'en fout. Ok, bon. Ctrl X, voilà. Ok. Bon, on va voir comment ça marche. Hein. Hop, si je fais ça, on va voir tout de suite comment ça fonctionne.
ça fonctionne comme ça, d'accord. Je pense qu'il faut que je fasse ça, d'accord. Ok. Hop. Non, comment je sors de là? Hop là, maintenant il faut trouver comment on fait. Tac, tac. Ouais, ok. Bon, j'ai un petit problème là. Voilà. Ok, bon, c'est un petit peu bugué, mais ça fonctionne. Ok, on a trouvé le radar. Je range le véhicule, voilà. Hop là, ranger le véhicule là. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de fourrière. C'est pas par là. Ok, donc là, on va regarder l'état des stocks. Alors, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'ai des petites bouteilles à revendre. Hop là, on va les revendre, des petites bouteilles. Hop, dégage la poubelle là. Hop, on va faire un petit peu de marche à pied, ça va faire du bien. Hop là. Ouais, tester le petit vendeur de bouteilles là. Rassurez-moi madame, vous faites pas le trottoir là. C'est pas ici. Oh hi mom, how are things? Ok. Comment ça, t'as failli écraser ton chef, toi? Pause. Putain, c'est quoi ce bordel? Il va falloir que le petit Alan il montre comment ça fonctionne. Pourquoi il y a une arme par terre?
D'accord, normalement, ça le fait. Voilà, ça le fait, c'est comme ça. Alors, ok. C'est pas par là que je voulais aller. Ah si, je voulais essayer un truc. Une petite course de voiture, ça m'intéresse ça. Bonjour. Hop, on va aller voir ça. Mais non, t'es content. Bon, je vais aller voir ça. Parking central. Hop, hop. Ça m'intéresse, une petite course de voiture, il propose le monsieur. Comment ça va? Ça va, tranquille. Hein, on va les faire chier un petit peu, on va voir. Hop là. Ah, t'aimes bien ce que j'ai fait pour cacher la map? Bah, écoute, je te remercie, hein. Ah, ça va ou quoi sinon? Bon, je vais aller au PDP. Ouais, je sais, ouais. Juste il y a 5 minutes, j'ai trouvé le radar. Hein. J'ai regardé le fonctionnement, j'ai vu comment il fonctionnait. J'ai vu comment il fonctionnait. Je vais mettre les petits gars sur le coup là. Qu'est-ce que c'est malin de mettre sur Twitter que tu veux organiser une course de voiture? Bravo, hein. Ah, c'est du génie, ça. Il a cru que le petit avait que les policiers n'avaient pas Twitter. Putain, mais qui est con celui-là? Bon. Et ranger véhicule, hop là. Ouais,
Ça va, dans mon bureau, viens voir mon petit. Ouais, justement, faut que je te parle de l'autre aussi là. Bah justement, c'est peut-être du même que je vais te parler, viens avec moi. Dis à Alan qu'il vienne dans mon bureau aussi. Ok, d'accord, on te rejoint. Comment ça, bravo, la police en est bien. On est bien, la police. Bon, on a déjà fait un petit contrat avec le Bénis et tout, oui. C'est cool. Ouais, ça va, mon petit Alan. Comment ça va? Ah, oui, ouais, c'est vrai. Ah, le Jérôme, apparemment, il est peut-être à mal de tête. Ouais, il est parti pisser. Non, il est peut-être parti dans l'autre bureau. Ah merde! Il est peut-être parti dans le bureau du haut. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. Mille excuses, monsieur le maire, mille excuses. Du coup, alors, ça se passe comment? Une petite réunion, on va se faire? Ah, il est là. C'est dans le bureau en bas. Ah, c'est dans le bureau en bas? Ouais. Regarde comment il était bien parti en haut. Ah, comment ils courent bien, les petits gars. Ouais, en fait, j'ai trouvé que c'était plus pratique de venir là directement. Les gars, je sais pas si vous avez vu l'annonce Twitter. Oui, on a vu. Oui, le petit gars qui proposait une course de voiture. Donc, j'ai vu ça. Le mec, il a cru que la LSPD avait pas Twitter. Bon, du coup, je suis passé au parking central. Histoire de faire chier un petit peu, tu vois, bon, j'ai contrôlé personne, je me suis juste garé, j'ai attendu 5 minutes et je suis reparti, histoire de les faire chier, de leur faire voir que j'étais là. Et devinez qui y avait là-bas. Ah, bah, il se casse, voilà. Alors, vu comment ça se passe, je crois qu'il a eu un mal de crâne. Ah, non, il revient, je donc, pense. Je sais pas, est-ce que c'est son double maléfique? Donc je t'explique, mon petit Alan. Je suis passé au parking central et devine quelle voiture j'ai vue. Une 770 bleu noir. Voilà, tout à fait. Oui, j'ai vu que tu avais. Non, nous on n'a pas eu, mais on a vu ton double maléfique. On s'est dit que tu as eu un mal de crâne. Ouais, faudra que je fasse un petit dodo à mon avis aussi. Là. Ok, donc je recommence. Donc je suis parti au parking central. Il y avait une voiture, je me suis garé pendant 5 minutes, je l'ai observé, histoire de lui faire voir que j'étais là. Je suis passé au ralenti devant lui, et bon, Alan le sait, et tu devineras qui c'était dans la voie, quelle était la voiture. Bah, l'autre truc, à mon avis. Voilà, tout à fait, le mec qui veut acheter des armes, qui veut un PPA, le mec qui manque d'écraser un de mes officiers, et en plus, qui a des problèmes avec son... Qui a des problèmes de jambes. Apparemment, le mec a des problèmes de jambes. Et il n'a pas pris assez de magnésium. Il a les jambes lourdes. Il doit être en manque de fer aussi. Donc, je pense qu'il va vraiment falloir le surveiller, celui-là. Et voilà. En plus, bon, bah, le mec, il a une belle voiture. On se demande comment il l'a obtenue. Donc, ce que je vais vous demander, les gars, ça va être de contrôler les alentours. Donc, allez pas au parking central. Hein, laissez-les. Vous tournez autour, aux alentours, pour voir si s'il y a quelque chose qui se passe. Par contre, désolé de te couper. On en parle qu'il veut prendre le commissaire devant le commissariat. Un tout de champ ou... Qui veut quoi? Attends, de quoi? J'ai pas compris. Bah en fait, il s'est mis devant le parc. Ah, vous savez qu'on est parti pour aller voir pour le... Ouais. Pas tout de suite arrivé, tu vois. Je sais pas, il y avait un soirée qui tapait, donc c'est arrivé. Et le mec, en fait, au lieu qu'il commence à me parler, il s'est bien chanté. Et ça se passe comment? Pour la fête du slip, ou ça se passe? Eh ben écoutez, c'est simple. S'il veut faire le mariole, on va lui montrer qu'à la LSPD, on est gentil, on est là pour protéger les citoyens, mais on est là pour fracasser les fortes têtes.
C'est nous la LSPD, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui va pas... Par contre, j'ai élevé la voix, j'ai dit ici c'est pas un truc de sang, donc tu te casses. D'accord, donc non, alors on va éviter les termes tu te casses, barre-toi de là, c'est vraiment voilà, à éviter. Mais non, bon. Mais moi j'ai pas dit de casse-toi. Oui, mais j'ai pas d'accord. Tu as fait comprendre. Alors je vous dis tout de suite, si par exemple, si vous parlez à quelqu'un, donc à un individu, que cet individu sifflote pendant que vous parlez, vous le prévenez une fois. Que s'il continue et qu'il vous écoute pas et qu'il sifflote pendant que vous parlez, ça sera un outrage à agent. Voilà. On est là à LSPD, donc ils nous doivent le respect, comment on les respecte. Et voilà, donc si jamais quelqu'un vous sifflote ou voilà, c'est outrage à agent, on cherche pas à comprendre. Surtout qu'en plus, lui, bah, ça y est, on l'a dans le collimateur de toute façon. Donc à mon avis, on va le casser en deux et ça va être vite fait. Donc voilà, et bon, sinon à part ça, comment ça s'est passé au Bénise, les gars? Il était pas là. Ok, ça marche. Là, à mon avis, la bagarre en cours, à mon avis, c'est lui. Ok, bon, bah, je vous laisse patrouiller, vérifiez-moi ça, tournez autour du parking central, et voyez, vous me faites un rapport par MP, comme d'hab, hein, en attendant que le réseau soit réparé. Et puis je vous laisse, vous faites attention à vous les gars, et n'oubliez pas, il n'y a plus d'être gentil, c'est on amende maintenant. Il a été prévenu une fois, il fait du n'importe quoi, donc voilà. Donc malgré... Oui, et puis bon, il n'est pas très fut-fut. C'est bien, il écrit sur Twitter, mais il oublie qu'on a crash. on a crash. Ah, oh, c'est le crash. Hop là. Tac. Bon, nous avons crash, les gars. Ah, c'est toi qui as tout cassé. Il n'y a pas de souci. Et voilà, monsieur le maire est arrivé, il a tout cassé, voilà. C'est bon, on peut se reconnecter ou pas? du coup, je vais les envoyer tourner un petit peu. On fait quoi Ok. Ah. Non, ça marche pas les petits gars. Ça marche pas les petits gars. Hop là. Hop. On fait quoi Tu veux qu'on se fasse un vocal ou pour discuter un petit peu ou pas? À ce moment-là, on peut se faire un vocal. Ouais, bah ouais, à ce moment-là, on va se faire un vocal. Je vais leur refiler les directives et puis on va se faire un vocal avec, avec Alcatraz. Voilà, c'est cool parce que vous voyez, il y a un peu d'interaction sur le truc du coup. Ouais, bah je vais me reconnecter. On va finir la scène et puis j'arrive quoi. Ah, ça a tout pété, voilà. Le maire, il a fait péter toute la ville. Putain, c'est quoi ça? Oh nom de Dieu. Il va falloir que j'enquête sur lui. Il va falloir que j'enquête sur lui. Bon, surtout que monsieur le maire, on a vu, hein, on a vu où c'est qui crêchait, on a trouvé sa maison hier, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah, purée, ouais. Eh, hier, franchement, Lucas, j'avais envie de le frapper. Il nous a mis des comas.
Heureusement, au moment que je faisais mes tatouages, il m'a mis coma. Putain, j'avais un vieux tatouage à la jambe, heureusement il n'est pas resté quoi. Ah. Mais bon, on a l'adresse du maire. Si on veut faire une grève, on sait où aller. Bon, je finis la scène et puis j'arrive en vocal. Faut que je me refasse tout beau. Tac, 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 hop là, voilà. Je suis tout beau. Un vieux crash dans 5 minutes. Ok. Bon, on va voir les petits messages là. Ok. Bon. Bon, j'aimerais bien finir la scène. Est-ce qu'ils se reconnectent les petits gars? Je vais voir ça avec eux. Je vais voir ça avec eux. Hein. Ok, donc bah écoutez, moi ce que je vais faire, c'est que c'est que je vais rester là pour l'instant, et puis on va aller. Hop, je vais m'en aller de là parce que je suis pas censé être là vu qu'il va y avoir la réunion. Hop, j'ouvre mon bureau. Tac, tac. Voilà. Hop, fermé. Hop. Là, hop, je vais aller dans mon bureau là-haut. Non, c'est par là. Hop là. On court pas dans les couloirs, à part moi. Bonjour, monsieur, dame. Hop là. Hop, voilà. Allez, c'est parti. Tac. Hop. Voilà, j'ai coupé le vocal du truc, c'est bon. Hop là, voilà. Hop. Alors, il est où le petit? Il est où le petit? Hop. Bam. Ah oui, il faut que je me mette en vocale voix, hop là, vocale voix, hop là, hop, détection de la voix, c'est bon. Pam, pam, pam. Bonjour, messieurs. Ah, attendez, je vous entends pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, ah, d'accord, hop. Tac, voilà. Oui, hop. Bah, on est passé où? On vient d'être en haut. Ok, c'est cool, On est quelque part dans tes fesses, tonton Ethan. Toi, je vais te péter la gueule, tu vas voir, ça va pas tarder, moi. Putain, j'en peux plus de ces gosses. Ouais, non, c'est parce qu'en fait, il m'avait pris encore mon deuxième écran Discord en volume, pour le volume. C'est con. Ouais. Bon, ça va, Thomas, sinon? Ouais, ça va. Attends, je suis en train de parler. Oh bah écoute, tranquille, hein. Je pense que l'autre il va se faire avoiner lui. C'est quoi? Je pense qu'il y en a un qui va se faire avoiner.
comment ça? Ah. C'est ça? Le mec organise des courses illégales. Oula. Non mais c'est cool. C'est cool. Ah du coup au niveau des PPA, on voit ça après ou tu sais en gros comment faire? Alors pour les PPA non. Alors bon j'ai vu que je pouvais noter à qui je donne, à qui je. Mais en fait c'est quoi? C'est je donne une autorisation et le mec peut avoir le PPA. C'est moi qui donne le PPA ou... Oui bah tu pour le moment tu fais tout seul vu que les médecins sont pas souvent là tu vois. Ok, et donc ça se passe comment? Le mec, je le vois, et puis après, si j'accepte qu'il ait le PPA, il peut aller l'acheter, c'est ça? Ce que tu fais, tu... Non, non, en gros, tu... Regarde, ce que tu fais. Déjà, tu lui poses 2-3 questions de sécurité, genre sur les armes, tu vois. Ouais, moi, ça va. Ouais. Ensuite, tu l'emmènes à l'armurerie, genre au centre de tir, le AC-9, du coup. Okay. Et tu lui fais des tests de tir, donc tu lui fournis une arme. Enfin, ouais. Genre, tu lui donnes, et ensuite, tu la reprends, ok? Ouais, ouais. Et s'il est apte, tu m'envoies son nom prénom en MP, je lui donnerai sa licence. Okay, et en attendant, tu mets sur le document. D'accord. Comme ça, il y aura une trace si jamais. Ouais, ok, ok. Et il est bien le fonctionnement. Ouais. Et ouais, par contre, j'ai vu qu'à l'armurerie là, si t'allais dans arme blanche, tu pouvais acheter le PPA. Je l'ai enlevé ça normalement. Si tu l'as enlevé quand? Bah hier. Parce que moi j'y étais ce matin et en fait j'ai vu dans Mercenaires il n'y a rien. Et j'étais dans Arme Blanche et m'a proposé d'acheter le PPA pour 5 000 $. En fait ce que t'as fait en fait en gros c'est que t'as enlevé mais t'as pas fait de reboot. Et moi en fait... J'ai reboot cet après-midi. Genre ce midi, j'ai reboot. Ok. 10h30 pour être exact. Parce que faudrait que tu me commandes... Enfin faudrait que tu me donnes la commande pour reboot. Ouais, acheter une licence. Et si tu fais oui, ah merde, ça la donne. Ouais. Pop, pop, pop. Ouais, ça la donne, faut que je voie ça. Alors, ouais, non, mais c'est cool, tu vois. Là, je viens de passer un contrat avec le Bénise et tout. Donc ça va, c'est sympa. Pour l'instant, ça se met en place tout doucement avec les joueurs qu'il y a. Donc ça va, on commence à activer les scènes, c'est cool quoi. Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, du coup en fait, tu sais les alertes sur la carte, il reste entre 5 et 10 secondes, donc en fait le temps qu'on ouvre la carte, les trucs ils ont disparu, les points. Ouais. Les points ils ont disparu, donc on voit pas. Attends, je veux dire un truc, mais je sais plus. Ou alors, ce que je peux faire, je mets un prix abusé au permis de port d'armes, comme ça ils peuvent pas l'acheter. Enfin, genre. Ouais, je pense que. Attends. Après, ça t'est pas encore match fameux aussi. Ah, si tu me dis prix abusé, ça va être à. 11 chiffres, hein, au moins. Ah, en fait, ouais, mais le PPA, si je comprends bien, donc moi, si je donne l'accord au mec, je donne la. L'autorisation d'avoir l'obtention du PPA, et toi tu lui donnes, c'est ça? Ouais. Ok, donc théoriquement il a pas à aller l'acheter quoi. Il y a seulement s'ils veulent l'acheter illégalement. Non, non, c'est pour ça. D'accord, ouais. Donc, genre je lui mets dans la base de données, puis ça lui donnera une game. Ok, donc ouais, ok. Ouais, non, de toute façon, ouais, mais après abuser parce que. Comme ça, ça évitera qu'ils l'achètent eux-mêmes quoi. Bon, après, le mec qui se blinde de thunes. Ouais. Quoi. Je sais pas, moi, on va dire 100 000, ça ferait un peu abusé quand même, mais dans les zones là quoi. Et toi, tu peux pas dans ton F6 donner la licence d'arme? Non, 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 je pense okay. Pas. Attends, je vais regarder vite fait. Je vais regarder ça vite fait. Alors, F6, interaction citoyen. Ah, si, peut-être d'en gérer les licences, attends. Aucun joueur à proximité. Donc gérer les licences, je suppose, c'est pour voir si c'est les licences qu'il a. Attends, non bah attends, j'arrive. T'es Comico? Ouais, je suis dans le bureau du chef en haut. C'est ça, hein. C'est approprié les bureaux, quoi. Putain, moi j'ai des frics, ça a changé. Hein. Ouais. Donc écoutez, je vais mettre le stream en pause là.
Je vais couper le son de tout. Voilà. Merde, je me suis trompé de bouton.
Attends, je vais corriger ça. C'est bon, c'est fait. Calme-toi. Bon, bah, messieurs, donc, réunion staff, donc, j'ai coupé le live, je reprendrai un live un peu plus tard. Tu veux faire voilà. Un reboot, c'est ça? Bon, bah, ouais, reboot allez, plus maintenance durée indéterminée. Donc, bah, merci pour, pour le follow. Ouais, comment c'est. Ils disent pas, c'est con, j'ai con. Ouais, t'as capté.